dessus. Bon, par contre, la deuxième mi-temps, on s'est lâché. On a fait beaucoup de fautes défensives. Cette victoire, de la faveur, on va dire. Du match, en première mi-temps, on n'était pas dans le match, à part dans les 10 dernières minutes, on a commencé à se réveiller. En deuxième mi-temps, on a commencé à proposer un bon jeu, où on a marqué beaucoup de buts, et ça s'est bien terminé. Nous, Lucas, eux aussi, en début de saison, s'interrogeaient justement sur le nombre de joueurs qui pouvaient disposer dans ce championnat départemental. Et je crois que c'est une des grosses satisfactions du club. Quand on les a vus démarrer justement cet exercice, pour nous, on sait très bien que le football, c'est avant tout un jeu. Mais ce jeu, ils l'ont parfaitement analysé, les enfants, grâce justement au soutien de leurs deux éducateurs, de leur encadrement de dirigeants, de parents. Ces deux éducateurs, c'est Alain et Morgane. Et samedi après-midi, lors de la dernière rencontre justement de cette deuxième partie de championnat contre le Jean, la victoire ne souffrait aucune contestation. Ils terminent premier de première division. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l'Aube dans leur section. Il y avait beaucoup de monde samedi. Il était souhaité justement qu'il y en aura plus, et encore beaucoup plus pour lors de la demi-finale. Et je leur souhaite qu'une chose justement, c'est qu'ils puissent lever la coupe lors de la finale qui se déroulera, je pense pouvoir dire... Le 2 juin. Le 2 juin.